Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 15e épisode déjà de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois que j'avais essayé, on avait capturé un extraterrestre. Donc, d'ailleurs, faut toujours qu'on capture un extraterrestre parce que c'était pas le bon, mais ça c'était pour une autre mission. Et donc, du coup, il faudra que je l'étudie cet extraterrestre parce qu'il a laissé un truc. Je vous invite à voir l'épisode précédent si vous l'avez pas vu. Il y a ici un truc, alors du coup, source d'énergie ovni, générateur Alerium, veilleur CEM2. Générateur Alerium produit plus de 30 d'énergie, ouais. Ok, et CEM2, lance-grenade, ou brouillard réparateur. Ça c'est pas mal ça. Fusil plaxmique léger, ouh c'est long. Nouvel avion, c'est pas mal aussi ça, il faudrait que je le fasse. Mes armes laser lourdes aussi. Ça pourrait être utile pour les CEM. Qu'est-ce que je fais? Les armes laser lourdes, parce que c'est pas mal, mais en même temps c'est long quoi. On va faire les armes laser lourdes, c'est indispensable. On puisse passer sur les meilleures armes laser. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des trucs possibles à vendre? J'ai des trucs qui sont encore non recherchés. De toute façon. Ah si. Non, j'ai pas grand chose à vendre. Plus j'ai pas énormément d'objets non plus. Il faudrait que je capture un alien. Commandant, Aya. On suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Ça par contre c'est pas cool du tout. J'en ai deux qui sont très haut niveau. De toute façon, la Russie on oublie. Même si 4 scientifiques, ça serait quand même cool. J'ai pas de sapeur, donc du coup Rio ça serait pas mal, et en même temps j'ai besoin de sous, donc du coup l'Inde ça serait pas mal. On va peut-être essayer Rio. Si je pouvais éviter de perdre l'Inde. J'ai pas une couverture sur l'Inde. Attendez. Salle de surveillance. Ah non, j'ai des couvertures qu'en Europe. Ah ouais, on voit clairement... L'Europe ça va. Les États-Unis ça va pas du tout. L'Amérique du Sud ça va pas du tout. L'Afrique du Sud ça va. Par contre, clairement, le Chine, Japon, l'Inde et l'Australie. On va perdre soit le Brésil, soit l'Inde. Je pense qu'on va essayer de récupérer un lieutenant sapeur parce que c'est quand même mieux. Alors, il faudrait... Parce que du coup, on a récupéré un nouveau grenadier. On va peut-être ajouter une nouvelle unité. Oh, j'ai plus beaucoup d'unités. J'ai énormément de grenadiers, tout ce que tu veux. Ah zut. Où était mon grenadier? C'est lui? Voilà. On va récupérer... Voilà, le gilet en nanofibre. On va l'équiper à notre petit nouveau. Qu'on va équiper d'un fusil laser. Et ben, je pense que c'est bon. D'ailleurs, on a toujours l'électroflu. Il faut qu'on capture un extraterrestre vivant. On essaie de faire ça dans celui-là. Par contre, c'est une mission très difficile. On y est. Allez, c'est parti. Évidemment, comme d'habitude, les conteneurs de mêlée et neutraliser tous les ennemis. Allez, on arrive. Centrale ici Rapace, on approche voilà. De l'enlèvement. Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. Donc c'est une mission très difficile, on va essayer de pas trop faire les marioles. Donc là il y a un grand centre commercial. Ça a l'air d'être une carte assez longue, il y a des voitures qui passent de l'autre côté. Alors qu'il y a des extraterrestres dans le coin, il y a des voitures qui passent, tout à fait normal. On va essayer de se déployer en avant, de toute façon là c'est pas trop grave si on n'a pas trop de couverture. Pour ce tour là
On va pas abuser non plus. Toi, tu vas avancer. De toute façon, il n'y a pas énormément de zones de couverture ici. Il faudrait que j'améliore mon CEM d'ailleurs. Et peut-être que je vais faire des soldats modifiés. Ok, deux poulpes. Ils sont passés au mode furtif ou pas? J'ai pas bien vu. On va voir, on va avancer un peu. Non, ils étaient pas en furtif. Maintenant ils le sont. Du coup, les gars, on fait gaffe. Donc on sait qu'il y a un conteneur de mêlée dans le bâtiment. On va te mettre par ici, toi. Et vous, vous bougez pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'il me tue pas un des deux poulpes, que je puisse l'assommer. On sait qu'il y a des bestioles. Bah alors. Tiens, ils sortent pas. Attendez, on va avancer par groupe de 3. Oh, deux tours, j'aurais jamais celle-là. On va avancer par là. Donc. Et par contre, ce qui m'embête. Alors, on va essayer de l'avoir. Je suis pas du tout sûr. Ouh. J'ai rien dit. Toi, tu l'as à 74%. Ouais, tu me fais un joli petit kill. Vous êtes absolument magiques, les mecs. C'est une bande de gros malades. Ok, cette fois-ci ils sont 3. C'est peut-être un peu plus bourrin. 52. Raté. M'étonne pas trop. Là par contre c'est un poil craignos parce qu'il y en a 3. Voilà. Ok, ça c'est pas un problème pour celle-là. Ah oui, par contre, si vous faites exploser la bagnole alors que les mecs sont à côté, c'est pas très intelligent là. C'est surtout eux qui vont m'embêter, je sens. 4, bon, ça va. Donc on a un vigilance, j'espère que tu as raté ton tir. Oui. Bon, 4 ça va, le problème c'est qu'il y en a un en vigilance. De toute façon, vous, faut que je vous écarte. Il n'y a pas moyen. Alors, est-ce que un tir de roquette pour... Oh! Alors là. Ouf, il y en avait plus que ça. Oh, j'aurais légèrement décalé. Je faisais un meilleur carton encore. Combien t'en as tué, toi? Je crois que t'en as tué 4 d'un coup, un truc comme ça, mais... Oh la violence! Est-ce que le lance-flamme il pourrait pas le toucher? Ah, bon, je suis légèrement trop loin. On va essayer le minigun, mais j'y crois pas trop. Ouais. Le tir n'a pas fait mouche. Je sais que le tir n'a pas fait mouche. Alors toi, 25%. Est-ce que la grenade frag serait pas plus utile? Si. Il reste juste... Toi qu'on va décaler, il reste juste un poulpe je crois. Et je crois qu'on a fini la mission.
Allez, sors de là, le poulpe. Quoi, y a pas de poulpe? Bon, de toute façon, dans tous les cas, on va essayer d'avancer. Allez, on avance. Voilà. Toi, tu vas recharger. On va essayer de se regrouper un peu, donc du coup, je fais pas avancer tout le monde. Et je suis sûr qu'il reste juste le deuxième tracker, le deuxième poulpe. Allez. Oh, c'est bon, vous énervez pas les mecs. Et voilà, il restait juste le poulpe. Les doigts dans le pif, on a juste notre CVM qui a pris quelques petits dommages, mais ça va. C'était assez tranquille. Les résultats sont très impressionnants. Oh yes, un capitaine. Surtout dans de telles conditions. Suractivité, ça fait quoi? L'utilisateur principal de CVM en première action ne fait plus faire un tour. Ouh, ça c'est génial. On a encore un grenadier. Mais vous avez fait quoi les mecs? Que des grenadiers quoi. Plus 10 pour les cibles ayant moins de 50%. Améliore le tir réflexe, supprime la pénalité de visée et permet les coups critiques. Je pense ça. Médaille d'honneur du conseil. On a obtenu un sapeur. N'oubliez pas, nous vous observons. Ouais ouais je sais. Il faudrait que je... Zut, liste des soldats. Recruter, il faut que je recrute des mecs parce que j'ai encore que des grenadiers ou des commandos. De toute façon, on va bientôt avoir l'opération secrète. Liste des soldats. Ah, on est tous en activité. Donc du coup, notre sapeur, on va le bidouiller. 3 cas supplémentaires, ça c'est pas mal. Lorsque l'ennemi attaque, 3 fois le medikit. Réanimation, c'est bien. Grenades fumigènes non, les... ah ouais d'accord. Ça c'est pas mal. Bonus de défense aux unités pour les grenades fumigènes, c'est pas mal. Dans 2 jours... Ouais, ce qu'il faudrait c'est que je bidouille un peu des gens au labo génétique. Donc on a notre sniper. Le truc c'est que dans 2 jours je sais que j'ai une mission. Et ça dure 3 jours. Et comme j'en ai pas de remplacement, je pense que le sniper on va attendre. Bon par contre j'ai 50 000 grenadiers. Alors, un grenadier. Quoique non, il faudrait que je bidouille les commandos. Dormeur. Les capitaines, ce qui est quand même énorme. Ça serait plutôt pour un sniper. Ça c'est pas mal, ça se régénère sans armure. Épiderme mythique, bon j'ai pas assez de sous. C'est un commando? Non c'est un grenadier. Surcharge les glandes surrénales. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je pense qu'on va confirmer ces implants là. Quoi? Ah d'accord. C'est vrai qu'ils sont en rouge, mais sauf que je peux pas faire autrement. Alors, on va aller... Les squads d'extraction. On va extraire l'agent. Ah, encore de grenadiers. On va peut-être virer celui-là. Non, c'est pas électroflux. Non, c'est pas ça non plus. On va retirer celui-là. Un petit nouveau. Pas besoin d'électroflux. Attends, on va te retirer. Non, où est mon sapeur? Ah oui, évidemment. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait pas le... Voilà, modifié.
Ouais, si, on va te mettre un électroflu au cas où. Voilà. Et un JR net de fibre au cas où. Je pense qu'on est bon avec ça. Allez, on va aller extraire le soldat qui est tout seul en Chine. Strike One, paré pour atterrissage. Allez, on va commencer l'attaque. Notre prochaine opération se passe. Il faut retrouver l'agent secret. L'agent secret doit pirater deux dispositifs de communication. Une fois les renseignements obtenus, escorter notre agent le sûr. L'élimination des forces d'Exalt n'est pas votre objectif principal. Ah ouais, zut, je crois que j'ai oublié d'équiper la nouvelle recrue. Et zut, j'ai oublié de l'équiper avec une arme laser, évidemment. Ils ont surpris l'un de nos agents de terrain qui essayait d'obtenir de nouvelles infos en piratant un relais de communication. Strike One va aller le couvrir pendant qu'il décode les données des autres relais. Il faut qu'il reste en vie si nous voulons récupérer ses renseignements. Ah non, mais ils sont sérieux. L'objectif reçu. C'est juste à l'autre bout de la map, quoi. D'accord. Oh la vache. C'est à l'autre bout de la map. On peut pas monter sur les toits. D'accord. Tu es parti. On va avancer. Ok, je bouge. On va passer par le haut. Tout de suite. On va avancer un peu en mode bourrin, mais... Il faut qu'on aille vite, parce que là, notre petit mec est tout en haut, tout seul. Tac, position défensive, surtout qu'il a juste un petit pistolet de merde. Ça va être joyeux. Ouais, t'énerve pas. Alors ce qu'on va faire peut-être... On va en envoyer quelques-uns par là. Alors, donc on va passer, je pense qu'on va en envoyer deux ici. Toc, il y a ma mère qui gueule, désolé. Donc un fusil de précision, on va la mettre ici. On va en envoyer deux par là, histoire de sécuriser le gros machin à pirater. Et on va en envoyer quatre là-haut pour en laisser deux ici. Et deux avec le... L'espion. Non, jure. Ça doit grouiller. En plus, c'est absolument pas compréhensible. Contact. Nous avons contact. Une confirmation visuelle des agents d'Exalt sur le terrain. Et allez voir, Exalt intègre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. En attendant de connaître l'étendue de leurs capacités, je conseille la plus grande prudence. Allez, fusillade. 30, 30, 30, 26, c'est quoi cette merde? J'y crois absolument pas, voilà. Ça par contre c'est bien. C'est pas un alien, hein. Pourquoi il dit alien à terre? Je bouge. Bien, commandant. Ah si, on pouvait monter sur le toit. J'aurais peut-être dû faire monter mon... Je bouge. Mon sniper. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait un peu n'importe quoi.
Oh, ça fait 20 minutes. Ah oui, non. C'est pas sympa, ça. C'est vraiment pas sympa du tout. Ah oui, quoique. Non, non, c'est... En fait, c'est pas mal. En plus, ça a dû tuer le pauvre abruti. Regardez ça. Alors, attendez. Ils étaient combien? Alors, c'est ça, là. Je crois qu'il y en avait deux, là. Hein. Yes. Ah oui, non. C'est pas bon du tout, en fait. Toi, tu te poses ici. Parce que là, 86, ouais, non, mais c'est... Le truc, c'est que là, on n'a plus du tout de grenades. J'aurais dû garder des grenades. Ok, un de moins. Ça va être un peu compliqué en fait. Dernier tour, ensuite je vous laisse là. Je suis en chemin. Parce que ça fait quand même plus de 20 minutes. Qu'après je fais des épisodes trop longs. Mais j'adore tellement ce jeu XCOM. En plus c'est un jeu qui mérite de faire des gros épisodes. Mais après ça devient quand même un peu long. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas viser. C'est bien. Ils savent pas viser, c'est très bien. Nickel. Bon, ok, on arrête là cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.